Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de pouvoir vous accueillir en ma qualité d'adjointe aux relations internationales ici dans notre mairie de Lorient pour ce moment goûter partagé dans le cadre des festivités de la Saint-Patrick. Nous sommes aujourd'hui réunis autour de plusieurs créations, qu'elles soient musicales, culinaires ou même artistiques. Et je souhaitais remercier tout d'abord très chaleureusement l'ensemble de nos partenaires qui ont bien voulu participer à cet événement. J'ai tout d'abord Monsieur Pascal Pouchard, qui est notre artiste graveur du jour. J'ai à mes côtés les jeunes du Conservatoire de Lorient qui vont vous jouer un morceau. Et je souhaite également remercier les élèves du lycée Saint-Joseph qui nous ont préparé quelques mets et qui vont vous servir tout à l'heure. Je ne sais pas s'ils sont avec nous, mais j'en profite également pour remercier l'association Lorient GAC du football gaélique qui a également bien voulu prendre part à cette manifestation et qui a organisé un tournoi aujourd'hui. Je crois aussi qu'il faut souligner que cette vigueur de la culture celte et de notre partenariat avec la ville de Galway, ville avec laquelle nous sommes jumelés, eh bien nous la devons beaucoup aussi à l'association Lorient Galway, qui est présidée par Jean-Gabriel Saint-Zinc, qui contribue à renforcer nos liens avec entre nos deux villes. Et je tiens à les remercier non seulement pour le travail effectué tout au long de l'année, mais également pour avoir pris part à cette programmation. Je ne vais pas être beaucoup plus longue, mais néanmoins, avant de conclure, je voulais vous inviter à prendre part aux autres manifestations de l'après-midi. Juste après ce moment de goûter partagé, il y a un défilé musical dans les rues lorientaises. Et puis, il y a également le bal irlandais qui se déroule ce soir, le Kelly, au sein même de notre mairie. Ça se passe au salon d'honneur juste au-dessus. Donc, je vous invite à y venir nombreux. Il me reste à vous souhaiter un excellent moment et de profiter pleinement. De Lorient, violoniste, et qui ont la chance d'être accompagnés par deux membres du groupe des Popicides, avec qui on a fait un projet la semaine dernière, un gros projet. Ils sont montés sur scène avec les Popicides, donc on était très très fiers. On va vous jouer pas un seul morceau, mais trois suites. Donc vous allez d'abord voir les plus grands qui vont commencer à jouer trois reels. Ensuite, vont se rajouter les moyens qui vont jouer 2 gigs avec les plus grands. Puis toute la troupe vous auront 2 polkas.
avez ici le Piping Orchestra, un ensemble émérite de cornemuse de très haut niveau, accompagné par le Brass Band de l'Orient Bretagne Sud. S'appelle O Wali Wali. Ah bah ouais, ça va prendre bien fonctionner. Alors comme on fait de la Saint-Patrick, on va vous interpréter un morceau qui s'appelle Saint-Patrick Andro. Thank you.